Ouais, les petites pauses café, changement de jeu, direction Legendary Beast, jeu un petit peu bizarre avec les bestioles qui sont dessinées un petit peu bizarrement. Alors, les mises. Allez, 31-50, ça ira. Donc, on peut se taper des jolis wins avec les jolies bestioles, du multiplicateur à la clé. Eh ben là, c'est pas mal, du 42 fois je ne sais pas combien. Eh ben, il nous flash un big win d'entrée à 1000 balles. Ok, 1008. Bon, ça c'est un bon début, mais pas se faire d'illusions, le jeu il va probablement tout rebouffer. Enfin, ça arrive très souvent. Bon, joli win avec le x6, le x9 serait pas mal. On se tape un big win à 1000 balles d'entrée, mais là il est en train de. Le jeu il est en train de rebouffer. Une fois qu'on a 1700, ben voilà le bénéf, hein, le win à 1000 balles il aura été rebouffé. Alors, prochain big win si on a un. Ça y est, on y est, 1000 balles de gagné, 1000 balles de rebouffé. Deux fois un dommage. 9, ça aurait été pas mal. Je crois qu'on est parti pour passer en dessous de la barre des 1000 balles dans pas trop longtemps, dans la barre des 10 000, je veux dire. Alors on va même faire mise maxi 45 sur ce jeu. Allez, bon, balance les mises max. Bon, s'ils ont mis les mises max à 45, j'imagine que c'est parce qu'ils pouvaient pas les mettre à 100 ou 125, car le jeu hyper rétro aussi. Il y avait du big jackpot. Alors pour le moment, pas grand-chose. Eh ben 9004, c'est peut-être que le début. Quand le retour des big wins, c'est pas d'actualité pour le moment, ben dommage, là il nous aurait fait le rouleau 1 pareil. Ça aurait pu être plus que sympa. Alors, tendance à la torche, à la torchade. Quand même se réveiller un peu le jeu pour nous rebalancer un joli big win. Bon, la question bien sûr c'est quand.
ben là pour le moment, à part bouffer du pognon. Oui, rien à faire, il veut pas nous prendre un joli triple symbole avec un joli multiplicateur. Bon, ben Big Win, je pense que ça devient urgent. Là, on commence à bien se faire défoncer. Il n'y a pas moyen qu'il nous balance les trois symboles identiques. Bon, faut pas rêver, le jeu il doit être programmé en sorte pour que ça apparaisse une fois toutes les je ne sais combien de parties, de centaines ou de milliers de parties. Double wild, 65 balles, pas énorme. Bon, bah, j'attends le big win, mais je pense que je vais peut-être attendre encore une plombe. D'entrée, il nous a fait un big win à 1000 balles, mais par la suite, il a bien rebouffé. Pas moyen de se taper un win et de se taper une remontée. Bon, bah, j'imagine que de temps en temps ce jeu doit payer, mais là il a pas l'air chaud. On va basculer sur le chiffre 6. Ouais, c'est clair qu'il y avait quelques parties en arrière, on avait une très haute balance, mais les achats de free game ça a tout flingué. Quand ça paye pas, ça flingue. Ah! Alors dommage qu'on ait le x1, le rat, elle aurait pas pu me balancer un x2 au moins. Le x9 ça aurait été l'embellie. Alors, combien? 810 à la ramasse. Bon, ben, un big win à 1000 balles, un big win à 800 et un big lose à plusieurs milliers d'euros. De 10 balles, 10 balles, 10 balles, 200 au total. Ouais, il veut pas nous prendre un gros win. Ouais, je pense que je vais me fixer une limite à 6000 balles, puis on ira pas plus bas. Alors, va-t-on se taper une remontée avec un joli win entre temps? C'est bien sûr peu probable vu comment se déroule la partie. Bon, ça peut arriver à chaque instant, mais franchement, j'y crois pas trop. x9, 270, bah ouais, là c'est le joli win, je pense, du jour. Sans déconner, alors combien? On va attendre, on va laisser le suspense. Mega Vincita, bah tant mieux. Eh bah, sans déconner, ils auront quand même raqué un joli win. Un super Mega Vincita de bordel. 3240, on remonte à 9656, j'avais quand même commencé à 10700 balles. Ouais, donc on s'apprend une petite perte, mais ça limite un peu la case. Mais heureusement qu'il y a eu ce win, parce qu'on commençait à être mal barré. J'allais me taper un terminus à 6000.
Allez, close, on va voir pour les prochaines.